Et c'est la vérité. Thank you, bro. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau concept que j'ai imaginé. On va tester les classes d'autres streamers. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, un petit commentaire, comme d'habitude, pour booster le référencement sur YouTube. Et me dire aussi ce que vous en pensez de ce concept. Ça serait super sympa. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas de Stageur, un streamer que j'apprécie particulièrement. C'est un très très bon animateur in-game. Et il a la particularité de jouer aucune arme méta. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch. C'est un mec qui est super gentil. Il vient d'avoir son partenariat Twitch, donc vraiment un gros GG à lui. Et les 10 000 followers aussi, quand j'y pense. Sa méta à lui, c'est surtout le pistolet à clous et la mina 2x3, donc c'est quand même des armes assez atypiques. Mais quand j'ai vu ça, ça me hypait assez. Donc on a pris sa méta, et voici le gameplay qui est juste zinzin. En vrai, quand je fais une nuit de 6 heures, je suis au max. Là, j'ai fait une nuit de 7h30. Je suis au max. Juste, le corps n'est pas reposé, donc physiquement, j'ai encore des traits. Avec les cernes, comme tu peux le voir. Mais en termes de fatigue, comment je me sens, je suis bien. Allez, on veut faire la méta Stageur là, on veut prendre vite fait notre pistolet à clous et la Milano. Je me suis fait exploser la gueule là, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu d'aim assist, rien. Vraiment, ouais. Après moi c'était du dev, il y a différents types, je connais pas exactement. Moi je sais que ma meuf elle a énormément travaillé aussi, ouais, en design. Moi, Epitech, c'était très très particulier. Hein. Il n'y avait aucune école de dev à Nantes qui faisait pareil. Hein. Bah, frère, je peux être 10 heures à me buter sur le bail pour essayer de trouver la solution. Allez, c'est parti. On a la méta Stageur, c'est parti. Non, ça c'est les devs nuls qui laissent des devs errors. Les gens qui laissent des devs errors avec enfin, les gens qui ont des devs errors, ça existe. Mais qu'ils les mettent en production et qu'ils n'ont pas vu le bug avant, c'est qu'il n'est pas bon. Et je vous avoue que Activision, je n'ai jamais compris comment ça se faisait, parce que les thunes qu'ils ont, ils peuvent se permettre d'avoir des bons développeurs. Je vous jure qu'ils ont des mauvais développeurs, je vous jure. Je vous jure, ils veulent faire des économies, c'est pas possible. Ils ont carrément les capacités d'avoir des développeurs type Google, les gars. Type Google, Facebook, c'est les top développeurs. Mais après, en termes de mentalité, la boîte de Google et Facebook, oui, ça paye bien, mais ils exploitent énormément les gens. Donc, tous les cracks en dev, ils les prennent, mais ils les épuisent, ils les fatiguent à mort. Jusqu'à les pousser au burn-out. Donc, c'est pas ouf. Mais Activision, je vous jure que c'est trop. Et c'est la vérité. Thank you, bro. Tout ce qui est unlocal, les gars, la vie de ma mère, hein. La vie de ma mère que en 20 minutes, tu trouves qu'il y a des unlocal et tu peux ban def. En 20 minutes, tu peux le faire. C'est en 50 lignes de code, c'est tapé le bail. La vie de ma mère que c'est vrai. C'est quand même pas dur de vérifier un compte, de regarder que le compte il a pas toutes les armes au niveau 80, qu'il a pas toutes les armes au niveau max et qu'il a quand même l'atomique. Genre, est-ce que c'est dur de réfléchir comme ça? C'est une analyse juste du compte. Est-ce que le compte a toutes les armes au niveau max? Non. Ah! Bah comment ça se fait qu'il a l'atomique?
Voilà. Tu fais cette simple vérification et t'as déjà cramé tous les unlocals. Après, tu mets en place des systèmes de ban. Voilà, c'est tout. Hein. On est là, on est en détente, on discute, mais on a une game qui est grotesque. Hein. 15 kills, 30 remain. Tu vas te calmer, le russe. J'essaie d'analyser où il est. Le... Je crois qu'il y a un mec en dessous et un mec au-dessus. Oula. Ça, c'est le mec qui était en dessous. Trois têtes, je cheat. Aïe. Je suis cramé. Je suis cramé, les gars. Trois têtes, je cheat. Il n'en reste plus que 25. La fuite de tricheur. Exactement. Bon, mis à part ça, les gars, la Metastasizer, je recommande. La Milano, petit point faible, mais elle est insane quand même. Ça permet de changer un peu, vous voyez. Le pistolet à clous, c'est bien aussi, mais c'est ce qu'il est. Si t'es pas un bon joueur, je pense que le pistolet à clous est très dur à gérer. La vérité. Parce que 20 balles à gérer, faut quand même pas loucher. Allez, on veut faire une 30 là. On peut faire plus, mais on est là en détente, on discute avec le chat, on est cool. Flemme de trahir d'une 40 là, non? Je t'ai entendu. Il y a encore un en bas. Un ennemi atterrit dans la zone. N'hésite pas à faire un petit point d'exclamation de cheat ou crack ou tixinette aussi. Prenez la cam jusqu'à la fin de la game là, parce que bon. Non, il y en a un derrière moi, mais je vais d'abord les prendre devant. Recharge vite Max, recharge vite, voilà, allez on enchaîne. Toi t'es dans l'esca caca. Eh ben non, t'étais là. Le cheat. Oh non, j'ai wipe là. Fallait enfin, j'évite de wipe, mais vas-y, va au pire, c'est pas grave. On va focus que la 30. Ah non, déjà la... on a déjà la 30. Oh my god, c'est tellement vite. Bon, on peut jouer la 40, hein. Mais on wipe en du coup. Je me suis fait voler. C'est pas très gentil de me voler comme ça par contre. Il m'a volé de fou, frère. Là, je serais déjà à 35.
avez réussi à semer vos poursuivants. Bien joué. Allez, je traverse maintenant. Et je veux la 40 là maintenant. Il nous reste 6 kills à prendre. Enfin 5 kills à prendre sur les 7 rimes. 5 kills. 4 kills à prendre sur les 5 qui remain. 2 kills à prendre sur les 3 remain. Laissez-moi tranquille et laissez-moi finir ma phrase en fait. C'est quoi ces gens mal polis, frère? La méta Stasher, c'est cool. J'adore la méta de Stash. Allez, c'est maintenant le moment où il ne faut pas choke. On est à 39 kills. Et on t'explose la nuque. On a 6 spectateurs. À mon avis, ça va hurler. Oh, bordel de merde. Où est le type, vous pensez? Moi, je dirais qu'il est côté bateau. Ah bah. Pardon. Je suis désolé d'avoir donné cette information grossière, violente, qui a été confirmée dans la seconde où je l'ai dit. Nanananana. La 41 bombe qui va tomber, logiquement. Let's go. Nope, nope, nope. Okay. Come Twitch. I don't cheat. I have a setup cam with my hand cam, money cam, and I don't cheat. Come. Okay, GG, bro. Thank you. Have a nice day. You too. Là, les gars, je vais fermer sa gueule en deux secondes. Mouah!